Salut les potes! Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'histoire de Mohamed Abdi Hassan, un pirate somalien qui a commencé sa carrière en 2005. Mais d'abord, pour comprendre le contexte de la piraterie somalienne, il faut un peu parler de l'histoire du pays. La Somalie a longtemps été une colonie anglaise au nord et italienne à l'est. Les deux parties sont réunifiées en 1960 en accédant à l'indépendance. En 1969, le président Abdi Rachid Ali Sharmar qui est tué et le CRS, Conseil révolutionnaire suprême, élisent à la présidence Mohamed Siad Barré. Excusez si ma prononciation n'est pas terrible. En 77, Barré rentre en guerre contre ses voisins éthiopiens pour récupérer l'Ogaden, une région sud de l'Éthiopie, peuplée principalement de Somaliens. À l'époque, l'URSS était un allié de la Somalie, mais voyait d'un très mauvais œil l'attaque contre l'Ogaden. Depuis 1974, l'Éthiopie est devenue communiste, et l'URSS voit en elle un allié bien plus précieux et bien plus puissant que la Somalie. En mars 1977, Fidel Castro proposa de réunir en une confédération l'Éthiopie, la Somalie, Djibouti et la République démocratique du Yémen. La Somalie refuse la confédération et en juillet, ils finissent par attaquer l'Ogaden. Mais l'URSS lâche la Somalie et ils se prennent une branlée par l'Éthiopie. Fin 80, début 90, divers groupes armés renversent le gouvernement de Mohamed Siad Barré. Ces divers groupes armés se sont rapidement foutus sur la gueule pour prendre le pouvoir en vain. Une guerre civile naît de ces conflits et pour couronner le tout, en 1995, l'ONU se tire, foutant le pays encore plus dans la merde. L'absence de gouvernement, de police et de garde-côtes a rapidement attiré de nombreux pêcheurs étrangers, ce qui a conduit le pays encore plus dans la pauvreté. Ne vous y trompez pas, il y avait peut-être de la pêche illégale dans les eaux somaliennes. Mais ce que nous avons maintenant, c'est un acte criminel qui n'a rien à voir avec la pêche. C'est une organisation purement criminelle et à but lucratif gérée par des gangsters qui utilisent des procédés horribles, comme le meurtre de personnes et la torture. Donc cela n'a plus rien à voir avec la pêche illégale. Il s'agit de crimes. La Corne de l'Afrique étant proche de nombreuses routes commerciales, l'appât du gain a attiré de nombreux Somaliens et d'étrangers. Répartis en plusieurs organisations dirigées par une centaine de chefs, les pirates attaquent des bateaux étrangers, kidnappent l'équipage, les torturent et demandent une rançon aux compagnies d'assurance et aux armateurs. Mohamed Abdi Hassan, dit Grande Gueule, était le chef d'un groupe de pirates appelé Kingpin. Il était un des plus puissants chefs des pirates et en septembre 2008, il aurait détourné un cargo ukrainien chargé d'armes, de chars d'assaut, de systèmes de défense antiaérienne, lance-roquettes et munitions. 2 mois plus tard, il aurait abordé le super pétrolier saoudien, le Sirius Star, long de 330 mètres et transportant 2 millions de barils de pétrole brut, une cargaison évaluée à 100 millions de dollars. Mais le 18 avril 2009, il attaque avec 12 hommes le Pompéi, un navire de 65 mètres de long appartenant à une société belge spécialisée dans le transport et la pose de rochers pour protéger les pipelines. L'équipage composé de 2 Belges, un Néerlandais, des ressortissants croates et philippins a été conduit près des côtes, séquestré pendant 70 jours avant d'être libéré contre une rançon d'1,94 million d'euros en liquide. Il m'a montré les 2 bateaux qui arrivaient vers nous, là. Je suis directement descendu pour donner l'alarme. Mais déjà, ils étaient montés à bord. Tout s'est passé très vite. Là, les Belges, ils n'ont pas aimé du tout. Je suis colère, les enfants, je suis colère! L'influence de Grande Gueule est telle qu'il obtient un passeport diplomatique et échappe de justesse à une arrestation en Malaisie en 2001. En janvier 2013, Grande Gueule annonce sa retraite du monde de la piraterie avec un joli pactole estimé à 13 millions de dollars. Il se lance dans la politique et ose même faire de la prévention. Ouais, il est couillu quand même le gars. Nous avons désarmé 932 pirates, y compris leur commandant. Ils sont en réhabilitation dans 3 centres différents. Il y a des véhicules armés postés le long de la côte pour empêcher les pirates en cours de réhabilitation à reprendre la mer. Je leur donne de la nourriture et je leur achète aussi une sorte de cadre très coûteux appelé Mira. C'est très très cher, sans parler des demandes individuelles. Chaque jour, je dois payer au moins 12 500 dollars. Grande Gueule a trouvé le moyen d'acquitter sa dette auprès du gouvernement. L'accord que nous avons conclu avec l'ancien gouvernement somalien stipulait qu'en cas de succès, nous pourrions établir un centre de réhabilitation et le gouvernement devait assumer tous les frais encourus. C'est comme faire appel à un voleur de banque pour surveiller un coffre-fort.
Bien sûr, cela a créé un énorme scandale l'année dernière, quand il a été révélé que Sharif Sheikh Ahmed avait nommé celui qui est à peu près le plus grand pirate de l'histoire, du moins dans l'histoire de la piraterie somalienne, responsable de la lutte contre la piraterie. Quelques semaines après, un bon proche de Grande Gueule est contacté par deux cinéastes. Ce proche est Mohamed Aden Tissé, un gouverneur autoproclamé d'une région somalienne. Les cinéastes désirent faire un film documentaire sur les pirates repentis et souhaitent recruter Grande Gueule pour conseiller le film. Après des mois de négociations, un rendez-vous est fixé à New York, mais Grande Gueule annule au dernier moment. Parce que normal, le gars, il est super méfiant. Les cinéastes sont vraiment intéressés par la participation de Grande Gueule et insistent pendant plusieurs mois, lui montrant même les premiers rushs du documentaire. Il décide finalement d'accepter le poste de conseiller sous certaines conditions. Du pognon, apparaître dans le film, du pognon, et des places pour le match de foot France-Finlande. Match gagné par la France 3-0 par les buts de Ribéry, un Finlandais qui a marqué contre son camp, et Benzema. Mais ça, on s'en bat les couilles. Le rendez-vous est pris à Bruxelles le 12 octobre 2013 pour signer le contrat. Et avec son pote Mohamed Aden Tissé, Grande Gueule prend l'avion de Nairobi pour la Belgique. Vous l'aurez compris, c'est pas deux réalisateurs qui les accueillent à l'aéroport de Bruxelles, mais les queues. Ouais, ils sont cons. Les deux hommes sont aussitôt mis en examen pour détournement, prise d'otage et participation à une organisation criminelle. On dit que les Belges sont débiles, mais sans déconner, elle est pas choucarde celle-là. En septembre 2015, les deux hommes sont jugés à Bruges et pendant le procès, la procureure fédérale réclamera 10 millions d'euros pour Grande Gueule et 3 millions pour Tissé de confiscation exceptionnelle. Là, les avocats de la défense, ils regardent dans leur dossier s'il y a une trace de cette réquisition. Instant malaise. Ils ont oublié de le noter. Finalement, en 2016, Grande Gueule est condamné à 20 ans de prison et son compère devra en faire 5. Mais la justice belge s'assit sur 15 putains de millions d'euros. Bref, Grande Gueule avait peut-être des grosses couilles, mais son ego lui a causé sa perte. Messieurs, on se souvient des ordres, en aucun cas on doit toucher les blancs. Moi et mes hommes, nous vivrons de la piraterie pour toujours. Aïe. Ça fait chier.